Je m'appelle Ed Stafford. Je suis ancien capitaine de l'armée britannique et explorateur. En 2010, j'ai été le premier homme à descendre le cours de l'Amazone à pied. Je me lance maintenant dans ma plus grande aventure. Tenter de survivre sur une île déserte, seul, pendant 60 jours. J'ai toujours voulu me mesurer à la situation de survie la plus extrême qui soit. Affronter la vie sauvage sans rien ni personne pour me venir en aide. Je me mets en route pour Olorua, une île perdue dans l'océan Pacifique. D'une superficie de 12 hectares, elle est inhabitée et offre le minimum nécessaire à la survie. Ce sont les seules informations que j'ai. Il me faut apprendre à connaître chaque centimètre carré de cette île, afin de pouvoir créer les meilleures conditions de vie possibles. Aucune équipe de tournage ne sera présente. Je filmerai toute l'aventure moi-même. J'emporte un kit de premier secours, un téléphone satellite et une balise GPS. Mais je n'y aurai recours que si mes jours sont en danger. Hormis cet équipement, je n'emporte rien. Pas d'outils. Pas de vêtements. Pas de nourriture. Pas d'eau. Faites qu'il pleuve. Je resterai entièrement seul, sans aucun contact avec le monde extérieur, à moins que ma vie en dépende. Mes progrès seront évalués et interprétés par des spécialistes internationaux de la survie. C'est une mission de 60 jours sans nourriture, sans vêtements et sans outils. Je doute qu'il aille jusqu'au bout de son entreprise. Je ne vous cache pas que c'est un défi énorme, qui va au-delà de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Je commence à avoir l'estomac noué. J'appréhende de plus en plus. C'est la première fois qu'on s'approche autant de l'île. On est dans le lagon, au-delà des récifs. C'est incroyable d'être là. Personne n'a jamais survécu 60 jours sur une île déserte sans outils ni vêtements. Si j'y parviens, ce sera un exploit unique. J'ai passé les 9 premiers mois à me préparer et j'ai passé une visite médicale complète. Mes 4 années dans l'armée et mes 2 ans et demi le long de l'Amazone m'ont été très utiles. Mais ce n'est rien comparé à ce que je vais vivre durant ce voyage. Votre pouls au repos est excellent. Il est bon ? Oui. Le rythme est bon, bonne fréquence. Le CG est parfait. Formidable. Mais le défi n'est pas seulement physique. Le plus difficile sera la solitude. Est-ce que vous avez déjà fait de la dépression ? Pas du tout. Ayant obtenu le feu vert du médecin, j'ai parcouru la planète afin d'apprendre de nouvelles leçons en matière de survie. On va allumer un feu. Ça marche. Allumer un feu sans allumette est difficile, mais si j'y arrive, ça augmentera énormément mes chances de survie. On voit de la fumée. Puis on le met dans un petit fagot d'herbe sèche et on souffle dessus. Oui. Les aborigènes d'Australie m'ont appris certaines de leurs méthodes ancestrales. Regardez mes mains. Je saurai bientôt si ces techniques m'aideront ou non à rester en vie sur cette île. Mais le plus difficile sera l'isolement. Je dois me mettre en condition aussi bien physiquement que mentalement. Dans ma vie, je ne suis resté seul que 3 jours tout au plus. Lors de leur rite de passage, les aborigènes sont coupés du monde des mois durant. Ils m'ont donc montré comment me concentrer et me préparer mentalement. Il faut vous demander ce qui crée l'appréhension. Il y a des choses qui la nourrissent. Il faut essayer de vous en débarrasser. 60 jours de solitude absolue, c'est une éternité. Je sais que l'isolement jouera sur mon moral et altérera aussi mes capacités à réfléchir et à agir rationnellement. Indépendamment des croyances de chacun, c'était comme purificateur. Et maintenant, pour la première fois, me voici face à Olorua. Quelle île ! Quelle île incroyable ! Aucun entraînement n'aurait pu me préparer à ce moment.
je commence à réaliser l'ampleur du défi que je m'apprête à relever. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. J'ai une grosse, très grosse montée d'adrénaline subitement. Je n'arrive pas à savoir si je suis heureux d'être là ou pas. Maintenant, l'issue finale est entre mes mains, que j'échoue ou que je réussisse. Ouch. Ça y est, ils sont partis. C'est très étrange. Je suis seul au monde maintenant. Et c'est plutôt effrayant. Je dois garder mon calme et établir un ordre de priorité. L'eau est la ressource la plus importante, viennent ensuite l'abri et la nourriture. Tout filmer moi-même crée une pression supplémentaire. J'utiliserai jusqu'à 3 caméras en même temps. Vous comprenez donc la difficulté. Caméra opérationnelle. À l'évidence, ce soir, je vais dormir dans des conditions très sommaires. Mais mon objectif pour ce projet, c'est d'évoluer. J'aimerais devenir le vrai maître de cette île. D'ici la fin des 2 mois, je veux pouvoir profiter d'un certain confort. Un abri décent, un régime équilibré, beaucoup d'eau et du feu. Mais pour l'instant, je dois faire avec les moyens du bord. On peut survivre 3 semaines sans nourriture, mais seulement 3 jours sans eau. C'est donc ma principale priorité. La source d'eau la plus évidente, quand on regarde autour de soi, c'est les noix de coco. Je dois en trouver une qui soit verte, l'ouvrir et en extraire le jus. Je vais profiter de cette marche le long de la plage pour chercher d'éventuels endroits où dormir pour ma première nuit. Il y a énormément de noix de coco, c'est parfait. Je veux les vertes. Celles qui sont déjà tombées sont plus vieilles. Et l'eau qui se trouve à l'intérieur est devenue laiteuse. Je veux de la véritable eau de coco. Si l'eau est laiteuse, j'aurai la diarrhée, ce qui entraînera une déshydratation potentiellement mortelle. J'ai trouvé un cocotier assez bas, je vais essayer celui-là. Elle n'est pas verte, mais elle n'est pas trop mûre. Allez. Il y a du liquide à l'intérieur. Ça y est. Il y a bien de l'eau. Premier verre sur l'île. Je ne l'ai pas très bien décortiqué. Quel bonheur. Mais elle contenait pas beaucoup d'eau. Je vais en trouver une autre. Cela représentait 200 millilitres. Par cette chaleur, j'ai besoin de 3 litres par jour. Mais au moins, cette recherche atténue mon anxiété. Pour l'instant. Le thé de l'après-midi. Excellent. J'en ai ouvert beaucoup à la machette, mais c'est la première fois que j'en fracasse une contre un rocher. J'ai eu à boire, mais toujours pas assez. On va se déplacer. Élaborer un plan de survie en amont est une chose, mais la réalité est bien plus difficile. Je ne suis là que depuis 2 ou 3 heures et la solitude me pèse déjà beaucoup. J'avoue que j'ai eu des gros moments de panique. Si je n'arrive pas à établir des priorités pour ma survie, les conséquences peuvent être graves. Ça vient par vagues, des grosses vagues, grosse panique. Stafford, ressaisis-toi. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Il y a un gros problème inhérent à toutes les situations de survie. Dès qu'on se met à paniquer, on fait des erreurs. Quand on est dans ce genre de situation, quand on se met à paniquer, c'est comme se retrouver à marcher sur un fil au-dessus d'un gouffre. Et si on tombe, c'est terminé.
Il faut rester concentré, c'est crucial. J'ai appris ça à l'armée. Il faut se fixer des priorités. Regardez ça. Wow. Regardez ce que j'ai trouvé. Non seulement c'est une grotte, mais en plus elle est en hauteur. Je vais être bien protégé. Ça, ça me plaît. Un abri tout prêt pour la première nuit. Conquérir cette île, ça va être une série de petites victoires personnelles. Et là, c'est ma première petite victoire personnelle. Bien joué, Ed. On a une grotte. On a une grotte. Excellent. Bon. C'est une belle trouvaille. C'est assez grand pour y dormir. Bonne nouvelle. Rester positif est essentiel dans les situations de survie. Je dois garder la tête froide en permanence. C'est là-dedans que la panique s'insinue. C'est là que l'inquiétude se glisse. J'ai toutes les capacités pour me débrouiller seul et survivre sur cette île. Le soleil décline, j'ai besoin d'un lit. Encore un peu de ça et ma nuit sera confortable. Le dîner. Une moitié de noix de coco. Je vais passer en mode vision nocturne. C'est pas mal. J'utilise la caméra infrarouge comme lampe torche. Si on a une caméra et qu'elle est infrarouge, à demain matin pour le deuxième jour. Je suis confronté à la faune de cette île. C'est un petit gecko. Mais la nature riposte. Je m'appelle Ed Stafford, et je suis seul au monde au milieu de l'océan Pacifique. Sans eau, ni nourriture, outils ou vêtements. Je veux voir si je suis capable de survivre seul pendant 60 jours. Olorua, qui fait partie des îles interdites, est un endroit reculé et inhabité. Je viens de passer ma première nuit dans une grotte sur son rivage ouest. Il fait très froid. Je me dis, je vais mettre des vêtements, mais j'en ai pas. La température en une journée peut atteindre 30 degrés. S'il faut trouver des habits pour la nuit, le besoin en eau douce et en nourriture est plus pressant. Il y a beaucoup d'escargots, ils sont comestibles. Je pense que je peux les manger crus, c'est un bon point. S'ils ne me rendent pas malade, alors on peut dire que je viens de me trouver de bonnes protéines pour le petit déjeuner. Parfait. J'ai cassé la pierre. J'ai besoin d'environ 3000 calories par jour. Ces escargots vont à peine me nourrir. Ça va. J'avais jamais mangé d'escargots crus. Même si je les ai presque tous ramassés, il y en aura d'autres qui reviendront. Et ça pourra me nourrir tous les jours. On va d'abord voir comment mon estomac réagit. Les escargots sont un bon début, mais il me faut absorber du liquide. Qu'est-ce que c'est? C'est génial. Il y a de l'eau qui coule. Regardez en bas. Ça, c'est de l'eau douce. Si je mets une mèche dans un pot, je peux le laisser se remplir toute la journée. C'est comme laisser un robinet ouvert. C'est absolument incroyable. Je n'arrive pas à croire que je sois tellement heureux de voir de l'eau douce. Je me demande si je peux en boire un peu. Ah. Ouais, je peux.
Quelque chose me dit que je devrais nettoyer ça avant. Un peu de protéines et du liquide. Tu repues pour l'instant. Je n'ai de contact avec personne. Je dois récupérer des piles neuves et des cartes mémoire à un point de livraison sur le rivage est. Sur le chemin, j'explorerai les environs pour trouver davantage de ressources. Si c'est pas un hibiscus des plages, ça s'en rapproche beaucoup. On peut arracher l'écorce par bande pour fabriquer un équivalent de cordage très solide. Elle se détache facilement. Je peux construire un abri ou un radeau avec ça, mais il me faut pour l'instant protéger mes parties les plus importantes. Je vais utiliser de l'herbe et des bandes d'écorce qui tomberont sur le devant. À midi, on attrape un coup de soleil en moins de 10 minutes. C'est ridicule, Ed. Ça fera l'affaire. Je continue mon chemin tout en restant sur la plage. Je cherche par la même occasion des déchets apportés par les vagues. Il y a plein de bouteilles en plastique. Elles ont toutes leurs bouchons, vu qu'elles doivent être remplies d'air pour flotter jusqu'au rivage. Une tongue, pas mal. Dans celle-là, il y a une paille. Et ça, c'est très précieux pour moi. Voilà la boîte pour les piles. J'échange simplement mes piles usagées et mes cartes mémoire qui sont pleines contre du nouveau matériel. Il faut moins d'une heure pour faire le tour de l'île. Son périmètre est d'environ 3 km. J'arrive enfin à me repérer. À mon retour, 500 ml d'eau se sont accumulés. À peu près un cinquième de mes besoins journaliers. C'est propre, je suis content. Une eau bien claire. Pour ne pas avoir froid cette nuit, je ramasse des feuilles de palmier. Regardez. Vous voyez? C'est un petit gecko. Je sais que je peux le manger. Je n'ai pas eu beaucoup de viande jusque-là. Un petit reptile. On va le tuer d'un coup sur la tête, de façon pas trop cruelle. Si je presse son ventre vers la queue, j'espère pouvoir en sortir tous les excréments. Voilà. Il bouge encore, mais il est bien mort. Ce sont les nerfs. Je me demande si je dois étriper un truc de cette taille ou si je peux tout avaler directement. Sans feu, manger toute viande ou poisson cru est un risque. Quand on a des poissons aussi petits que ça, on ne s'amuse pas à les vider, on mange tout. Allez. Charmant. La queue continue de frétiller devant moi. C'est plutôt dégoûtant. Mais c'est plein de protéines. Alors autant manger la queue. C'est pas aussi mauvais que ça. Des escargots, un gecko et quelques noix de coco ne sont pas un apport suffisant pour une journée. Je ne sais pas si c'est très sain de manger un gecko. Si une chose a un goût âpre ou amer, ce n'est pas pour rien. Elle pourrait s'avérer très dangereuse. Ed pourrait être très malade et même mourir. Survivre sans outils est un défi de taille. Et pour devenir le maître de cette île, je vais devoir improviser. Il faut que je trouve un coquillage pour couper cet arbre. Les noix de coco sont très précieuses, mais elles sont difficiles à atteindre. En 2 jours, j'ai consommé presque toutes celles qui étaient accessibles. Un bâton fourchu. Un couteau me faciliterait vraiment la vie.
J'ai pas de couteau, mais j'ai un coquillage bien tranchant pour le moment. Et il fait du bon boulot. Parfait. Je suis épuisé. Je commence déjà à ressentir le manque d'eau et de nourriture. Même les tâches les plus simples me vident de mon énergie. Je me remets aux escargots, vu qu'ils m'ont pas rendu malade. Ce n'est pas de la chasse, c'est de la cueillette. Je suis nul si je n'arrive pas à me faire un bon plat d'escargots ce soir. Une belle assiette d'escargots. Je complète lentement mon apport calorique journalier. Quand on n'a rien, absolument rien, la journée entière semble être consacrée à maintenir le statu quo. Il va falloir que je me fixe des petits objectifs à atteindre tous les jours si je veux continuer à avancer. Mais le simple fait d'avancer va déjà s'avérer très difficile. Je suis encore malade. J'ai une grotte, des aliments de base et deux sources d'eau potable. Mais je ne bois toujours pas assez. La déshydratation bénigne diminue notre énergie. Toute forme plus sévère entraîne la mort. Les coquillages qui jonchent la plage vont m'être utiles. Bon, ça va être la méthode de collecte d'eau la plus simple du monde. Ça m'a pris 10 minutes. C'était pas sorcier. J'ai un autre plan pour maximiser ma collecte. Une corde absorbera l'eau et la laissera couler jusque dans une bouteille en plastique. Au moins maintenant, j'ai un semblant de système de collecte. L'île est envahie par la forêt. Jusque-là, je suis resté sur la plage. Je me mets donc à explorer l'intérieur de l'île. Je sais pas du tout où je vais. Ça se mange. C'est de la vraie viande. Des chèvres sauvages, de la viande. Et donc riche en fer. Je suis bien décidé à en chasser une, la tuer et la manger. Mais il me faudra des armes et surtout du feu. 20 minutes plus tard, j'atteins le point le plus haut de l'île sur la côte ouest. C'est phénoménal. On peut voir le récif. Il fait tout le tour de l'île. C'est incroyable. C'est très haut. C'est ma plage en contrebas. Je progresse toujours très lentement. Aujourd'hui, j'ai dû manger moins d'une trentaine d'escargots. C'est sympa d'être un peu naïf et romantique, de dire « j'ai envie d'être proche de la nature ». Mais quand on est vraiment proche de la nature, quand on n'a rien du tout, jouer à l'homme des cavernes comme je le fais, c'est difficile, vraiment très difficile. La première chose à faire est de vérifier mon système de collecte d'eau. Au début, j'ai cru que ça n'avait pas marché, parce que je ne voyais pas de niveau d'eau. Mais c'est parce que la bouteille est remplie à ras-bord. Génial. J'ai un demi-litre. La journée commence bien. Yes. J'ai plus ou moins réglé les problèmes d'eau, d'abri et de nourriture. Prochaine étape, le feu. Il faut que je trouve plusieurs bouts de bois pour un archer et pour le forêt. J'ai besoin d'une branche en forme de V ou courbée. Les aborigènes d'Australie m'ont appris comment allumer un feu par friction. Mais il faut le bon type de bois et la bonne technique. Elle est en forme d'arc, ça ira.
L'arc est utilisé pour faire tourner rapidement le forêt dans le creux d'une planche et ainsi créer un début de braise. C'est solide. Voilà mon arc. J'ai trois des éléments de mon système jusque-là. Je viens de faire l'archer, j'ai le forêt dans mes mains, la poignée qui va en haut du forêt. Ce qu'il me faut maintenant, c'est la planche. Ça m'a pris un moment pour dépasser ce sentiment de panique après avoir été abandonné ici. Rien n'aurait pu me préparer pour cet instant-là. Quand j'ai compris que j'étais tout seul. Très beau résultat. J'adore quand tout marche comme prévu. J'en pleurerai. C'est pathétique, j'en pleurerai. Ça a marché. Je suis vraiment au bord des larmes. Putain, ça a marché. Le stress et la souffrance émotionnelle sont très forts depuis le début, et ça commence à sortir. Il pleure pour plein de raisons différentes, pas seulement parce qu'il est content d'avoir coupé un bateau en deux. Une situation de survie, c'est un peu comme être sous l'emprise de stéroïdes. Il y a des hauts et des bas, mais ça prend des proportions démesurées. Je dois canaliser mes émotions et continuer mon chemin. Du cordage tout neuf pour l'archer. L'âtre. Faire un feu tout seul est difficile. Je n'arrive pas à trouver le bon type de bois et je ne sais pas quelle technique fonctionnera le mieux. Regardez cette fumée. De ce que j'ai appris, je dirais que cette poudre est trop légère, que le bois est trop tendre. Je ne pense pas qu'on ait du feu ce soir. Au matin, une autre mauvaise nouvelle m'attend à mon point d'eau. Regardez toute l'eau perdue qui a coulé le long de la paroi. La mèche ne fonctionne pas. La bouteille a recueilli moins de 100 millilitres. La journée commence pas super bien. Le problème de l'eau commence à être préoccupant. Je suis assez énervé. Ma seule vraie source d'eau ne me donne pas grand-chose et je suis déshydraté. Les noix de coco sont ma source de nourriture et de liquide la plus précieuse à cet instant. Mais elles sont de moins en moins accessibles. La seule solution à mon problème de noix de coco et d'eau, ce serait de trouver un bâton plus long. Il faut que je trouve une perche d'au moins 7 mètres. En 40 minutes, j'en découpe une avec mon coquillage. Ouais! C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'au moins 3 litres par jour pour survivre. Le manque d'eau entraîne une léthargie et altère le jugement. Je dois rester attentif. J'ai du mal à rentabiliser mes efforts. Beaucoup de mal. Je ne suis là que depuis 6 jours et je sens que cette île est plus forte que moi. Un feu changerait la donne, mais je ne parviens pas à trouver le type de bois qui créerait des braises. L'archer se brise à chaque tentative. J'essaie donc avec de la corde usagée. Il y a trop de friction sur le coquillage. Je crois qu'il convient pas. Mais j'ai un archet qui fonctionne. Ce qui est un vrai pas en avant. La méthode de l'archet est plus efficace que celle où on fait tourner le forêt à la main. Elle demande moins d'énergie.
C'est un projet extrêmement compliqué à réaliser. C'est pas facile. J'imagine qu'effectivement, je l'avais sous-estimé. Mais vous savez le temps que ça prend d'abattre un arbre avec un bout de coquillage. Ça m'agace de ne pas pouvoir trouver les arbres que les aborigènes utilisent pour allumer un feu. Je pense que ce que j'avais prévu ne se produira sans doute pas tout de suite. Ça prendra peut-être 10 ou 15 jours pour m'installer convenablement. Le besoin de feu me motive, mais je suis déshydraté. Je sais que je ne peux survivre plus de 2 ou 3 jours sans liquide. Si les choses ne s'améliorent pas dans les 24 heures, mon expérience de survie pourrait bien se trouver compromise. J'ai besoin de 2 ou 3 noix de coco en plus. Je ne sais pas si c'est dû au manque de calories et de noix de coco, ou à la réduction de ma ration d'eau, mais... Je suis vraiment épuisé. Et apathique. Il me faut plus de noix de coco. Jamais un tel désespoir ne m'avait envahi. Manger des escargots crus tous les jours pourrait tout à fait être ce qui a rendu Ed malade sur l'île. Dans des cas extrêmes, si vous perdez beaucoup d'eau, ce qui entraîne en général une perte de sel, vous pouvez tomber dans le coma et mourir, car votre cerveau se mettra à gonfler. Je n'ai pas pu manger le dîner en revenant ici. J'étais pas bien. Je me sens très très faible et nauséeux. J'ai besoin d'eau. C'est trop bête. La situation est grave. Être malade me fait perdre des fluides précieux que je ne peux pas remplacer. Mais je dois rester positif et continuer à chercher d'autres sources d'eau. Ce n'est pas de l'eau, mais un objet précieux que je trouve au milieu des ordures échouées sur l'île. Un haut à manches longues. C'est incroyable. Je ne suis pas le seul à avoir désespérément besoin d'eau. On voit que les chèvres sont venues ici. Elles ont renversé les bouteilles d'eau. Sûrement pour boire. Heureusement, celle-là avait encore le bouchon. Ça va sans dire que c'est la dernière chose dont j'avais besoin en revenant déshydraté au camp. Une fois de plus, mauvaise nouvelle. Il faut que je m'allonge. Je vais à la grotte. Je suis absolument épuisé. Je suis au bout du rouleau. Il me faut de l'eau très vite. Rien. Je suis encore malade. J'en ai marre, je suis crevé. Je veux aller au lit, je m'en fous. Il faut que je trouve le moyen d'avoir suffisamment à boire et à manger. Je suis très inquiet. Je ne parviens à atteindre aucun de mes objectifs. Mon énergie est au plus bas. Ma santé défaillante pourrait mettre fin à ce projet. Mon sac d'urgence contient une trousse de premiers soins. J'envisage sérieusement de l'ouvrir. Je suis frigorifié.
Il faut que mon estomac garde ces glucides-là. Oh, horrible. Oh mon Dieu, je me sens trop mal. Tout ce que j'avale est toujours super visqueux. Je me demande si je devrais prendre des antibiotiques. Peut-être bien que oui. Je m'en fiche. Ça m'est égal d'ouvrir la trousse de secours. Mon état avait tellement empiré que j'ai dû me résoudre à ouvrir la trousse de secours. J'ai pris des antibiotiques, mais affaibli par la maladie et la déshydratation, je lutte toujours pour ma survie, et je suis là déjà depuis 11 jours. Mais une bonne nouvelle s'annonce à l'horizon. La pluie. C'est un moment magique. 2 litres d'eau fraîche. Bois tant que tu veux. Bois tant que tu veux, Edward. Ayant pu ingérer du liquide, je vais me remotiver. Je vais essayer de remettre mon plan sur les rails. Je m'enfonce vers l'intérieur de l'île. Cette feuille que vous voyez là, c'est la feuille du tarot. Le tarot possède un joli tubercule. Et il est comestible. C'est en plus une bonne source de glucides, ce qui me redonnera de l'énergie. C'est comme une pomme de terre. J'ai 4 tubercules de la taille d'une patate. Vous n'imaginez pas comme je suis content. Je n'ai pas encore de feu, mais j'ai un plan. Ce couvercle rouillé est sûrement la lame la plus affûtée que je puisse avoir. Je vais couper le tarot en lamelles et le faire sécher au soleil. Deux ou trois heures plus tard, je vais chercher mes chips de tarot séchés au soleil. Elles sont légèrement croustillantes et un peu salées, ce qui est normal, vu qu'elles ont été arrosées par les embruns. Mais elles sont vraiment très correctes. Conclusion, j'ai trouvé un moyen de cuire mes glucides sans feu. C'est du génie. J'avais vraiment besoin de ça aujourd'hui. Que quelque chose se passe bien. Ça n'a rien à voir avec une chips industrielle. C'est plus une pomme de terre qu'on vient tout juste de sortir de terre. On penserait jamais à manger une pomme de terre crue. Je suis content, vraiment très content. L'effet des antibiotiques se fait ressentir. Et les glucides apportent une nette amélioration. Mais j'ai toujours besoin de protéines. Je vais voir si je peux retourner la partie supérieure de cette bouteille, de manière à la mettre dans la partie inférieure. Comme ça, les poissons pourront entrer, mais ils ne pourront plus jamais en sortir. Regardez. La partie supérieure de la bouteille est insérée dans la partie du bas. Goulot à l'intérieur. Je vais utiliser des escargots comme appât. Hop, dans la bouteille. Je la place à l'endroit le plus profond. Avec un rocher par-dessus. On va voir ce que ça va donner.
Si le dispositif fonctionne, j'aurai là une nouvelle source de protéines. Quelques heures plus tard, je reviens vérifier le piège. Oh, wow. Incroyable. Il y en a plein. 7 ou 8. Des protéines dignes de ce nom. Ce ne sont pas vraiment des poissons. Ce sont des loches. C'est ce qu'on achète pour les aquariums. Ça nettoie le gravier qui est au fond. Ils sont pas très beaux. Et ils bouffent des excréments. C'était ma première tentative de pêche. Et ça a marché. Que de la chair, sans boyau ni rien. Au moins, c'est quelque chose que je peux mastiquer sans vomir. C'est un progrès, vous moquez pas de moi. C'est un progrès, mais avec tous ces aliments crus, le risque d'infection est permanent. J'ai besoin de feu, et vite. Je dirais que c'est indéniablement l'une des pires choses ici. On peut passer toute la matinée à travailler ce bâton, mais ce n'est pas le bon bois. C'est un sentiment étrange de passer tant de temps sur quelque chose qui ne va sans doute pas marcher du tout. Mais c'est ça ma vie, en ce moment. Allez, je m'y remets. Ça m'a pris 4 heures, juste pour faire cette encoche. Je donnerais n'importe quoi pour un couteau suisse. J'aimerais tellement avoir du feu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À mon réveil, j'essaie la dernière version de mon forêt à archer. C'est bien, il y a pas mal de fumée. J'ai peut-être une braise ici. Oui, j'ai une braise. Il faut que j'en fasse un feu maintenant. On a du feu. On a du feu! On a du feu! Génial! Oh, merci, 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 merci. Et tout à coup, l'existence devient civilisée. Pas besoin de vous dire que c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Je suis tellement heureux. On a du feu. On a du feu, de la chaleur le soir. Des aliments cuits. Yes! Oui. Oui, 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 oui. Je vais commencer la construction d'une maison. Je n'ai aucune énergie. La solitude va commencer à se faire ressentir. Et c'est là que les choses peuvent devenir dangereuses. Chaque partie de moi réclame de la compagnie.